Quand le prince Eugène a fui Paris en 1683, c'était un jeune homme désargenté qui a intégré l'armée des Habsbourg. Il était très doué, il a gravi les échelons de l'armée autrichienne, s'est bâti une bonne réputation et a fait fortune. Avec ce qu'il a gagné, il a pu construire des palais merveilleux et constituer des collections grandioses. Il était très très intéressé par l'architecture et l'art. Il avait une collection de toiles impressionnantes avec beaucoup de maîtres flamands et néerlandais. Bien sûr, l'école italienne était aussi représentée. Et pour le palais, il a fait appel à divers artistes.